Bonjour, je m'appelle Jean-Frédéric Morin, je suis professeur titulaire à l'Université Laval. Je suis aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale. Je m'intéresse aux institutions internationales et je m'intéresse particulièrement à leur prolifération parce qu'il y en a de plus en plus. Et cette prolifération crée une certaine forme de complexité, une certaine forme de fragmentation, qui n'est pas sans conséquence pour les acteurs qui sont gouvernés par ces institutions internationales. Alors, j'ai observé cette prolifération d'institutions internationales dans une série de domaines des relations internationales, dont le commerce international, la propriété intellectuelle, la protection de l'environnement, l'investissement direct étranger. Et mon plus récent projet de recherche porte sur la prolifération des institutions qui gouvernent l'espace. La notion de distance est particulièrement intéressante quand on s'intéresse à la gouvernance internationale de l'espace. Parce qu'il y a un décalage entre l'impression qu'on peut avoir quand on pense à l'espace, une impression d'infinité, et en réalité, la finitude de l'espace, particulièrement de l'espace orbital autour de la Terre, qui est un espace qui est de plus en plus congestionné par un grand nombre d'objets spatiaux. C'est pas sans rappeler, en fait, les océans. Pendant des siècles, les sociétés humaines ont puiser dans les océans des ressources, y ont déversé des déchets en ayant l'impression que les océans étaient infinis, mais en réalité, on se rend bien compte aujourd'hui que les océans sont limités et qu'on doit gérer cette limite. C'est un peu la même chose pour l'espace. Et il y a une deuxième forme de distance que je trouve intéressante. C'est celle qui est croissante entre les institutions internationales qui sont marquées par leur époque. Donc, les principaux traités internationaux qui gouvernent l'espace ont été créés dans un contexte de guerre froide. Et aujourd'hui, lorsqu'on utilise de plus en plus et qu'on envoie de plus en plus des technologies dans l'espace, il y a ce décalage qui se crée entre, d'une part, des institutions multilatérales et des activités spatiales, cette distance qui est sans cesse croissante. Une des conséquences de cette intensification des activités spatiales, c'est la prolifération des débris spatiaux, une nouvelle forme de pollution. Il y aurait aujourd'hui plus de 1 million d'objets qui ont plus d'un centimètre carré en orbite autour de la planète, certains allant à une vitesse de plus de 36 000 km/h. Alors, on comprend qu'il y a des risques de collision qui sont de plus en plus élevés pour des satellites qui sont essentiels pour nos systèmes de télécommunication, de géolocalisation, pour des infrastructures de sécurité, pour l'observation de l'espace, mais aussi l'observation de la Terre. Pour l'instant, les collisions sont rares, mais déjà, on doit retarder des lancements, on doit opérer des manœuvres d'évitement pour éviter justement ces débris spatiaux. Et ce qu'on craint surtout, c'est une réaction en chaîne, où il y aurait une première collision entre deux satellites qui créerait des milliers de fragments qui eux-mêmes risqueraient de engendrer d'autres collisions. Alors, on est dans un territoire qui est au-delà de la souveraineté nationale. Qui est responsable en cas de collision? Qui est responsable pour maintenir une certaine surveillance de ces débris spatiaux? Qui est responsable pour aller cueillir, récolter, éliminer ces débris qui sont déjà dans l'espace? C'est plusieurs questions qui préoccupent les acteurs spatiaux. Alors, dans le cadre de mon projet de recherche sur la gouvernance de l'espace, mon équipe de recherche et moi, on a l'ambition de créer un catalogue qui va recenser l'essentiel des acteurs organisationnels qui s'intéressent à la gouvernance des débris spatiaux. Et on va aussi recenser les institutions que ces acteurs ont créées pour gouverner les débris spatiaux. Alors, la constitution de ce catalogue est encore en cours, mais on peut déjà faire un certain nombre de constats. Le premier, c'est que les acteurs de l'espace sont de plus en plus diversifiés. Auparavant, il s'agissait essentiellement d'acteurs publics, des agences spatiales. On observe qu'il y a de plus en plus d'acteurs privés, notamment venant des pays en développement, des pays émergents. Un deuxième constat, c'est que leurs institutions sont de plus en plus diversifiées. On le sait que les traités multilatéraux datent d'une autre époque, mais ce qu'on observe, c'est toute une gamme de codes de conduite, de contrats, de lignes directrices qui leur permettent de gouverner dans une certaine mesure le problème des débris spatiaux.
Comment gouverner un bien commun mondial comme l'espace satellitaire? On peut imaginer toute une gamme de solutions. Et finalement, pour tous les biens communs mondiaux, s'offrent à nous quatre grandes catégories de solutions. La première, c'est la régulation, c'est-à-dire on fixe des règles et on veille au respect de ces règles. Et c'est toujours le problème au niveau international, c'est-à-dire que comment mettre en place des mécanismes pour assurer la conformité aux règles qui ont été fixées. Deuxième catégorie, c'est de mettre en place des incitatifs pour les acteurs. Ça peut être une forme de taxation, par exemple. Une taxation, avant d'envoyer un satellite dans l'espace, on devrait payer un droit et idéalement, il faudrait internaliser dans cette taxe l'externalité environnementale et donc intégrer le coût nécessaire pour nettoyer l'espace des débris spatiaux. C'est toujours un calcul qui est assez hasardeux à faire. Troisième grande catégorie de solutions, c'est par des droits de propriété. Des droits de propriété, ensuite, mettre en place un mécanisme de marché où les acteurs pourraient faire des transactions sur la base de leurs droits de propriété. C'est un peu ce qu'on observe dans le domaine des changements climatiques avec les bourses de carbone, mais justement, c'est un bon exemple parce que on voit que ça peut être assez difficile, cette mise aux enchères des droits de propriété. Soulève toutes sortes d'enjeux techniques, mais aussi éthiques, économiques, même si ça permet de créer des incitatifs pour résoudre le problème de la ressource partagée. Quatrième solution, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'une solution justement centralisée. On peut laisser les acteurs eux-mêmes qui vont trouver par une gouvernance, disons, polycentralisée, des solutions aux problèmes auxquels ils font face. C'est ce qu'on a observé au niveau local, par exemple pour des communautés de pêcheurs qui, sans avoir codifié des règles, en sont venus par des traditions, parfois des normes non écrites, à assurer une certaine gouvernance durable des ressources qu'ils partageaient. Et on peut se poser la question, est-ce que la communauté de l'espace peut elle aussi, par une forme de gouvernance polycentralisée, en arriver à une gestion durable des ressources qu'elle partage. Alors, la ressource que je vous propose, c'est un site web qui s'appelle Stuff in Space. Alors, c'est Stuff in en un mot, point space. Alors, c'est un site web qui nous présente les satellites qui sont en orbite autour de la Terre et on y voit également un certain nombre de déchets spatiaux, les déchets spatiaux les plus importants, ceux qui ont été recensés, parce qu'il y en a plusieurs autres qui n'ont pas encore été identifiés. Mais on y voit quand même d'abord qu'il y a un très grand nombre de déchets spatiaux. Et on y voit aussi qu'il y a des zones, il y a certaines orbites qui sont particulièrement convoitées, dans lesquelles il y a un très grand nombre de satellites, mais aussi de déchets. Et c'est une représentation donc de ces déchets et de ces satellites en temps réel. Et donc, on peut aller, par exemple, au-dessus de Montréal pour voir quels sont les satellites qui s'y trouvent, quels sont aussi les éventuels débris qu'on peut retrouver au-dessus de Montréal au moment même où vous consultez le site web. Et on peut retrouver de l'information sur ces satellites et sur ces débris. Alors, il y a plusieurs travaux en psychologie politique qui démontrent que tant que les acteurs politiques n'ont pas une représentation visuelle d'un problème, notamment de problèmes environnementaux, c'est les risques de repousser le problème au calendrier grec. C'est pour ça que j'aime bien ce site web, parce que c'est une excellente représentation d'un réel problème, mais d'un problème qui passe souvent inaperçu, celui des débris spatiaux.